Ça va bien, merci. Ah oui, ça tombe bien, hein. Je suis à l'aéroport, je passe vous voir, vous êtes tout prêt. Très bien. À tout à l'heure. J'ai été. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne journée. Voici ma marraine, elle a venu nous chercher. Ah non, pas maintenant. Pas comme si tu ne la vois pas. On ne peut pas faire ça. À moi. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, c'est pas très bien. Il aime pas très bien. Allô? Elle vient d'appeler. Non, je suis à Computer World, je vérifie mon email. Alors, j'ai encore 2-3 petites courses à faire, je serai au bureau dans quelques instants. C'est ça. Donc, si elle arrive, elle peut m'attendre. D'accord? À tout à l'heure. Allez, merci, à bientôt. Hein. Vous aussi, je vais chez toi. Passe me voir au bureau. Non. Je serai en vacances cette semaine. Appelle-moi sur mon cellulaire, 558, d'accord? Ok. Je suis pressé, je peux pas rester. Allez, à bientôt. Ah, je trouve que celle-là t'irait bien. Comment vas-tu, chère? Je vais bien, merci, pourquoi? As-tu reçu la carte de Joël? Si, je l'ai reçue. Les travaux, les lunettes sont prêtes. Ah, merci beaucoup. Combien vous dois-je? Il a déjà payé. Excuse-moi, Roger. On se voit, hein? À plus tard? D'accord, à plus tard. D'accord, bye-bye. Merci beaucoup. Vous êtes très aimable. Merci, mes travaux. À bientôt. Au revoir. J'ai reçu ceci pour vous ce matin. Le reste du courrier est déjà sur votre bureau. Merci. Madame Sajous est déjà arrivée. Elle attend à l'intérieur. D'accord. Oh, j'oubliais. Office Star a livré le bureau pour la nouvelle stagiaire. Le chèque est déjà prêt. Il ne manque que votre signature. Très bien. Roger, comment vas-tu? Aussi bien que toi, chère. Tu as mis de fraîche. Merci, c'est gentil. Nous avons reçu cette lettre ce matin. Ça a l'air d'être assez important. Ah, ok. Je suis au courant. Je suis passé voir le directeur en rentrant. Comment vas-tu, Roger? Ça va bien, Paul.
Il s'agit d'un contrat à finaliser avec le ministère des Travaux publics. Je veux que tu t'en occupes personnellement. C'est urgent, d'accord? Parfait. Bonjour. Magali. Ça va bien? Ça va. Bien, je te présente ma nouvelle stagiaire, Mademoiselle Hilaire. Mademoiselle Hilaire, asseyez-vous, je vous en prie. J'ai été agréablement impressionné par votre dossier. Merci. Lauréate de votre promotion, n'est-ce pas? Bien sûr. Bienvenue au cabinet Rabot. Vous êtes ici en fait de bonne main. Magali va bien prendre soin de vous, n'est-ce pas, Magali? Ça, c'est sûr. Bon, ça va? Très bien, Roger. Je vais te voir à mon bureau tout à l'heure, d'accord? D'accord. Mademoiselle, n'oubliez pas de remettre au courrier le paquet pour Washington, d'accord? C'est déjà fait, les Rabot. 24 heures comme d'habitude? Comme d'habitude, les Rabot. Très bien. Madame Zadouz, comment ça va? Je suis Roger Rabot. Cabinet Rabot, bonsoir. Oui, un instant, je vous prie. Que dois-je venir vous voir, Maître Rabot? Eh bien, je vous appellerai dès que je recevrai le jugement du tribunal. Vous savez, ça peut prendre du temps, mais ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Je ne sais comment vous remercier, Maître. Combien vous dois-je? À peu près 1 million de gourdes. Mais non, je plaisante, madame. Je vous enverrai ma note dès que le jugement sera prononcé. D'accord? Merci, Maître. D'accord. Merci. Allez, bonne fin de journée. Mademoiselle, accompagne madame et veillez à ce que rien ne lui arrive à l'escalier, d'accord? Très bien. Maître Rabot, pensez-moi, attendez. Merci. Charmant garçon, n'est-ce pas? Est-il marié? Non. Seriez-vous intéressé? Si j'étais plus jeune, peut-être. Je pensais plutôt à ma petite nièce. Ah, vous avez envie d'aujourd'hui? Oui. Tu as demandé à Fifi de mettre du sucre dans ton thé? Tu sais très bien que tu ne devrais pas en prendre. Le médecin te l'a formellement interdit. Mon fils, il faut une cause pour mourir. J'aime sentir la bacroba fenip. Ça fait déjà 10 ans que tu dis la même chose. Vois ça, il est tout bon. Tu veux que je te rapporte quelque chose? Passe à la pharmacie. Achète-moi du Tylenol. Mon flacon est terminé. Et n'oublie pas mes verres à Optica. Déjà fait, ma. Tu vois que je pense à toi? Très bien. À plus tard. Ma? Maman? Oh, pardon. Le cabinet Rabot, puis-je vous aider? C'est Rachel, Roger. Comment tu ne reconnais plus ma voix? Ah, mon cher, moi de fou. Ah, Rachel, quel miracle. Il va pleuvoir aujourd'hui. Qu'est-ce qui me vaut cet appel après ce long silence? Je voulais avoir de tes nouvelles, savoir si tu es toujours disponible. J'ai une proposition indécente à te faire. Passe me voir ce soir. Je serai seule. C'est tentant. Tentant. Mais je t'apprends que je vais me fiancer ce soir. Oh. Et c'est seulement maintenant que tu me le dis. C'est seulement maintenant que tu appelles, écoute. Écoute, je ne peux pas rester. Je suis pressé, on se reparle, d'accord? Mais attends. C'est avec Joanne que tu te maries? Mais qui a parlé de mariage? Je te dis que je me fiance ce soir. C'est bien avec Joanne que je me fiance. Je ne te fais pas mes compliments, mon cher. Tu aurais pu choisir mieux. Merci, ma chère. À bientôt. Je ne t'ai pas demandé ton opinion, toi. Mademoiselle! Mademoiselle Garoud est sur la deuxième ligne. Qu'est-ce que je lui dis? C'est la troisième fois qu'elle appelle. Je ne peux plus recevoir d'appel, d'accord? Ça va, je prends. Allô? Avec qui tu es au téléphone? As-tu oublié les bonnes manières, ma chère? Bonsoir, chérie, comment vas-tu? Je vais bien. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Eh bien, ma chérie, j'ai reçu des appels de mes clients, de ma mère. Et de personnes qui me font des propositions indécentes. Tu n'aurais pas d'autres questions par hasard? Qu'est-ce que tu fais toujours au bureau? Je m'apprêtais à partir. À quel point es-tu avec les préparatifs pour ce soir? Si tu étais vraiment intéressé, tu serais déjà ici. Ah, je te fais remarquer que tu me fais encore une scène. Je n'aime pas ça du tout.